Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Glove René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de base de données, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans dans le Loiret en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier les crédits. En effet, l'essentiel de la création monétaire passe par le crédit, une source de liquidité générée par les banques. Le métier de banque est, à première vue, simple. D'un côté, elle reçoit des dépôts, de l'autre, elle accorde des crédits. Cette activité, tout à fait honorable, cache en réalité un mécanisme les plus subtils de la machine économique. Théoriquement, une banque ne peut prêter que l'argent qu'elle a en dépôt et pour la durée du dépôt. Si elle dépasse ces deux limites, somme et durée, elle ne pourra pas fournir l'argent à son légitime propriétaire au moment où celui-ci viendra le retirer et elle fera banqueroute. De l'italien banca rota, banque cassée. Mais la banque connaît son métier. Elle sait pertinemment que sur un volume total de dépôts de 100, seulement 20 seront retirés sur une période donnée. Un mois, 15 jours. Elle peut donc prêter cet argent sur cette période sans trop de risques. Disons le tout net. Toute somme prêtée sera créée par la banque. Ainsi, ce ne sont pas les dépôts qui font les crédits, mais bel et bien les crédits qui font les dépôts. Loan make deposit. C'est ce mécanisme qu'on appelle le multiplicateur de crédit. Crédit émis, monnaie créée. Crédit remboursé, monnaie détruite. Si une période donnée, il y a plus de crédits émis que de crédits remboursés, la masse monétaire augmente. Dans le cas contraire, elle diminue. Mais reste à voir maintenant comment, à travers cette mécanique, la monnaie reste ce qu'elle est fondamentalement. L'ombre de la richesse réelle, le représentant des biens dont elle ne peut jamais se détacher. Ainsi, j'en ai donc terminé avec les crédits. Je vous en remercie.